Je les guiderai sur la voie de la force. Maître Kestis. Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la force? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis, vous pensez que l'Empire nous trouvera? Rends-toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux. J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca. Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la Force sur cette liste. Sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trina, je suis obstiné. Serena n'a rien appris.
compris? J'ai besoin de toi, BD. J'ai enduré bien pire que ça. Attention avec ça. Il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici, et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la force soit avec toi. Maître, restez avec nous. Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller. Par ici, le Steam. Oh, j'en avais besoin.
Attaque et exécution. Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous, Itrilla, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre Holocron. Je ne sais pas où elle l'a emmené. C'est entièrement ma faute si Trilla a suivi cette voie. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé. Nous nous devons de les assumer, préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse. Où ils traînent les Jedi. Et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. J'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irai. À genoux. Au nom du Conseil Jedi, et au nom de la Force, Cal Kestis. Debout, chevalier Jedi. Maintenant, tu es prêt. Tout comme vous. Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous, Itrilla, est-ce que vous avez... C'est calme. Bien trop calme. Tu n'aimes pas la nature, Grise ? S'il y a une vitre, ça va. De près, la nature ne m'aime vraiment pas. J'ai peut-être quatre bras, mais au cas où t'aurais pas remarqué, je tiens dans la bouche de la plupart des bestioles dangereuses. Hé, hey, Grise. Tu m'as appelé ? Ces lianes sont sans danger. Elles ont pas mal poussé. Ouais, d'ailleurs, c'est une vraie plaie de les tailler tous les jours. Mais elles sont sans danger, tant que j'oublie pas de les couper. D'accord, c'est rassurant. On ne devrait pas s'éterniser ici. Vous êtes déjà venu ici, Serré et toi ? On est allé un peu partout. On a dû faire le tour de la galaxie. Mais tant qu'elle paie les factures, j'ai pas trop à me plaindre. C'est mieux que de se cacher des années dans une décharge. Oh, ça, je te le fais pas dire. J'en ai vu des coins pourris. Mais celui-là, c'était le pire. Je peux pas croire que quelqu'un... Pardon. T'as pas tort.
Si tu vois une bête mortellement dangereuse, tu l'as avant qu'elle m'attaque, ok? Tu fais de vrais progrès, Cal. Contente que tu sois là. Ah, on a une galaxie à sauver. Ce ne sera pas facile. Tu es sûr d'en être capable? Je me débrouillerai. C'est mieux que de se cacher sur Braca. J'ai parcouru de nombreuses planètes de la galaxie pour trouver... te trouver. Si nous n'arrêtons pas l'Empire, nous mourrons tous, cachés ou pas. Je suis prêt. Très bien. Vous avez dû venir ici souvent avec Cordova. Non. En réalité, je n'étais jamais venue. Mais il m'a parlé de ce lieu. J'étais la seule à connaître son emplacement. Il vous faisait confiance? J'imagine que oui. Il espérait que je le suivrais et finirais ce qu'il a commencé. Pourvu qu'il ait vu juste. BD1 le pense. C'est un droïde intelligent. BD1, garde un œil sur Cal, ok? On s'en est bien tiré. Mais on a eu chaud. Hé, hey, tu te souviens de Todola? Oh oui. On nous avait dit qu'un Jedi se cachait là-bas. Il fallait qu'on aille voir. Ouais, tu parles si on a vu. En plein dans un système occupé par l'Empire. Mais au moins, il nous avait pas l'encollimateur. On s'était dit que ce serait facile. Ouais, sauf que ça grouillait d'impériaux et d'artillerie lourde avec des marcheurs partout. On ne savait pas que c'était un site de production de marcheurs au départ. Il n'était pas répertorié. Et nous voilà, 50 mètres au-dessus de ce truc. Les types hurlent à la radio, prêts à ouvrir le feu. Et toi, tu leur réponds, tu te mets à t'excuser. Pardon, on savait pas, nos capteurs sont morts. Mon copilote est malade. Assieds-toi, petit gars, on va bientôt se poser. Connaître Grise, ce vaisseau est solide vu ce qu'on lui a fait subir. Ouais, sacré Mantis. Pas trop mal, hein? Il m'a encore jamais lâché. Et si ça arrivait? Eh ben, je le réparerais. Tu crois que j'en suis pas capable? Je te crois capable de tout. Eh, regarde ça, on finit par s'entendre. Un jour, je te montrerai peut-être comment changer le tube de calibrage de l'hyperdrive. Ça a l'air important. Ça sert à quoi? Ben, j'en sais rien. Mais mon arrière-grand-mère en parlait. Pas besoin de savoir à quoi il sert pour réparer un truc. C'est aussi ce qu'elle disait. Elle était très futée. Tu peux me croire. Le Mantis peut affronter absolument tout. Les tempêtes, les batailles... Un vrai bonheur. Quand ce sera fini, qu'est-ce que fera Mérine à votre avis? Elle rentrera chez elle? Je doute qu'elle le fasse. Elle est restée cloîtrée très longtemps. Plus jeune, je prenais beaucoup de plaisir à parcourir la galaxie. Alors j'imagine ce qu'elle peut ressentir en l'explorant pour la toute première fois. Ouais, vous imaginez, elle a jamais goûté au jus de meuf. Elle a jamais vu de Doug s'écharper dans une cantina. À propos de leur batteur préféré. Pourrait lui servir de guide si elle veut. Bien sûr, Grise. Toutes ces choses étranges qu'elle a sûrement hâte de découvrir. Ouais, je pourrais l'initier au jeu. Je parie qu'une sœur sorcière... Sœur de la nuit. Sorcière de la nuit. Sœur de la nuit. Je parie qu'elle connaît des sorts qui nous feraient décrocher le jackpot. Sérieusement? Ça va, je plaisante. Elle me file toujours les jetons.
quoi de neuf? Nous étions en train de parler du Mantis. Bizarrement, je m'y suis attachée. C'est pas comme si on avait connu beaucoup mieux, de toute façon. Je suis pas sûr que les ferrailleurs t'aient offert le grand luxe sur Braca. Non, c'est clair. Serré n'était pas convaincue la première fois qu'elle est montée à bord. Non, en effet. Cal, je t'ai déjà raconté ce que Grise m'avait dit à propos du Mantis avant que je l'engage? Non, mais j'aimerais bien le savoir. Et c'est reparti. Il m'a dit que le Mantis était le meilleur croiseur de luxe de cette région de la galaxie. Il a ajouté qu'il me proposait une affaire en or et qu'il était le seul capable de piloter une telle merveille d'ingénierie. Une merveille d'ingénierie? Rien que ça? Dis donc, tu lui as vraiment sorti le grand jeu, Grise. Ok, j'ai peut-être un poil exagéré, pardon, mais à ma décharge, j'avais vraiment besoin de ce boulot. La concurrence est rude. Et tout s'est bien passé, en fin de compte, pas vrai? C'est pas terminé. Peu importe ce qui arrivera, il surmontera les épreuves. Bien sûr, évidemment. Je crois que vous vous rendez pas bien compte, mais ce vaisseau, c'est littéralement une merveille d'ingénierie. C'est bien vrai. La première fois qu'on est arrivé ici, j'ignorais jusqu'où nous irions. Ça va, Meryn? Ce vaisseau, c'était celui d'un Jedi qui fuyait l'Empire avec son Padawan. Il n'y a eu aucun survivant. Comment fais-tu pour en savoir autant sur les lieux que tu explores? Il y a des choses, des gens, des événements ou des expériences qui laissent un écho dans la Force et que je peux ressentir. Tu arrives à lire le passé? Tous les Jedi peuvent faire ça? Non, c'est assez rare en fait. J'ai dû naître avec. La magie des Sœurs de la Nuit est ancienne, mais mon lien au passé n'est pas aussi puissant que le tien. C'est peut-être une bonne chose. Tu dois avoir raison. Le passé n'est que souffrance pour nous deux. Toutes mes excuses. Je ne voulais pas te distraire de ta mission. Plaisante pas. Où est Grise, ça va? Toi, tu t'occupes de la mission, et moi, je m'occupe de les tenir à l'écart. Ça va aller. Attrapez-le! Ce sera une victoire facile. Ok, BD. Qu'est-ce que c'est?
pas nous échapper. Attaquez avec prudence! J'ai en visuel. J'y arriverai pas tout seul! Thank you.
rester un petit curieux. Les ouvriers ont besoin d'être correctement dirigés et motivés. Vous n'en êtes pas capable. Allez-vous. Yeah.
Avec plaisir. Est-ce qu'il va tous nous tuer? Entre toi et moi, Vermine. Écarte-toi. Que tu veux aller là-dedans. Qu'est-ce que t'as trouvé?
On a trouvé le Jedi. C'est rapide, faut le reconnaître. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Oui, voyons voir ça. Détruisez-le! Prêt en cours. J'ai touché le Jedi. Prêt. La cible est hors d'atteinte. Éliminez-moi cet intrus!
Alexa, personne ne pourra plus nous arrêter. Voilà. J'ai besoin d'aide. Dépêche-toi. Assaillant en hauteur. Être futile. Projectile dangereux. Attention. Intégrité compromise. L'ennemi évite les attaques. Incapable. Sans intérêt. Allez, BD.
Dépêche-toi, Bédé. Dépêche-toi, Bédé. J'aurais besoin que tu cherches ça, Bédé. Bédé, tu penses pouvoir charger ça ?
Ça, c'est encore pour toi.